principio dirán que Estados Unidos tomará medidas muy serias si se somete a juicios a... Salut, je continue ma série de petites vidéos spéciales confinement. Pour rappel, on a déjà vu ensemble comment modder un sac. Ensuite, on a fait du déballing d'un sac qu'on peut acheter dans une librairie au Japon. Je continue cette petite série de vidéos qui ne sont pas des tests de sac à dos puisqu'on ne peut pas sortir, donc je ne peux pas tester des sacs, car vous savez comme j'aime tester des sacs dans des conditions de la vraie vie. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler matos et organisation, mais dans une situation bien spécifique. Vous le savez peut-être pas, mais une partie de mon travail consiste à réaliser des documentaires. Avec mon camarade Samuel, on a créé Société Nouvelle, la manufacture de récits émergents, qui consiste en un collectif de créateurs de récits centrés sur l'humain, les transitions, la marge, l'écologie, les modes de vie alternatifs, etc. La SMALA illustre bien à quel point toutes les histoires que vous nous rapportons dans Hyperlien sont autant d'ouvertures vers des modèles d'organisation nouveaux. Qu'il soit à l'échelle d'un lieu, d'un village, d'une ville ou de tout un département. Au fil de nos rencontres, nous avons découvert différents visages du numérique en France. Support de citoyenneté, développement des territoires ruraux, inclusion sociale, accessibilité universelle, circuits courts, recyclage, médiation. Ce qu'on a réalisé l'année dernière, la websérie Hyperlien, si vous ne l'avez pas vu, cliquez quelque part, ça rentre exactement dans cette activité. Comme on est une petite équipe, deux personnes, pour réaliser Hyperlien, ça demande de faire plusieurs jobs en même temps. Samuel va par exemple s'occuper de la pré-prod, de la prise de contact, des plannings, des interviews pendant les tournages, et ensuite de la diffusion. Tandis que moi, je vais me concentrer sur l'écriture, le cadrage, la réalisation, le montage. Comme on vient de signer pour la saison 2 d'Hyperlien, dont le tournage va débuter cet été quand on pourra sortir, c'est une très bonne nouvelle. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu comment je m'organisais sur place, quel matos j'utilise, mais surtout dans quoi je le range, comment je fais pour le transporter et quel type de sac j'utilise. Comme c'est moi qui produis les images et le son, je dois penser à tout, donc il faut que je sois très organisé et très efficace, avec un setup le plus léger possible. Avant de vous montrer tout ça, je vais vous demander deux choses. La première, c'est d'aller visiter le site lasociétenouvelle.com, de lire le manifeste et de me dire ce que vous en pensez. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est d'aller voir l'épisode 1 de l'Audiotrip que j'ai mis en ligne en début de semaine, qui est un podcast qui se regarde. C'est un peu bizarre, c'est des images verticales, ça s'écoute au casque. Le premier épisode, ça se passe au Japon. N'hésitez pas à aller voir et me dire ce que vous en pensez. Alors on commence par les sacs et la valise, du coup. En gros, c'est assez simple, j'emporte ces trois choses. D'abord, il y a cette valise qu'on appelle un flight case ou un hard case, qui est une imitation de la marque Pélican. Et le numéro de la valise, c'est la 1510, 1510. Bon, celle-là, c'est une contrefaçon, enfin pas vraiment une contrefaçon, puisque ils le vendent pas en tant que Pélican, hein, c'est une autre marque hein, qu'on trouve sur Amazon. Mais c'est une imitation parfaite, jusque dans la taille, hein, qui est exactement la même. On va le voir d'ailleurs, les inserts sont compatibles entre les deux marques. Donc à l'intérieur de cette valise, il y a tout mon matériel, notamment le matériel qui est fragile, et je vous montrerai un petit peu plus tard ce qu'on y trouve exactement. Ensuite, j'ai celui-là que vous connaissez très bien, c'est le Provoke de Wondered, en version 31 litres. Un sac conçu pour les photographes par des photographes, c'est comme ça que Wondered annonce le Provoke sur sa page Kickstarter il y a quelques années, quelques mois. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas description plus trompeuse que celle-là, puisqu'en fait, le Provoke est un sac extrêmement versatile qui conviendra aussi beaucoup aux non-photographes. Dans lequel je vais mettre mes habits, puisqu'on part souvent plusieurs jours, mon ordinateur portable et le trépied, qui est un trépied hybride qui peut se transformer en monopode. Et enfin, ce petit sac que j'ai jamais testé sur la chaîne, mais dont je me sers énormément, c'est le field bag de Topo Designs. Connaissez le petit écusson. Et là-dedans, je vais mettre l'appareil photo et tout ce que j'ai besoin d'avoir sur moi en fait quand on est en déplacement. Parce que le type de documentaire qu'on fait, ça s'appelle du run and gun, c'est-à-dire qu'on court un petit peu partout pour rencontrer plein de gens et les filmer dans leur milieu naturel. Juan, c'est le coordonnateur du PL. Donc on a besoin d'avoir un équipement très light, toujours sur nous.
Donc cette superbe imitation du Pelican 1510, hein, donc qui est une valise à roulettes qui est censée être parfaitement étanche. Vous voyez, il y a une petite valve ici qui permet de gérer l'étanchéité. Et si vous prenez l'avion avec, par exemple, il faut ouvrir la valve, sinon la pression à l'intérieur va faire que le couvercle va s'enfoncer. Et donc cette valise destinée aux professionnels, si vous l'achetez chez Pelican, vous coûtera quelque chose comme 250 €. Alors que cette imitation coûte 80-85. Généralement, quand vous achetez une valise comme ça, elle va être remplie de mousse. Soit de la mousse que vous allez devoir découper vous-même, soit de ce qu'on appelle la plucking foam. C'est un petit peu ce que j'ai dans celle-là. Pour le premier épisode, on utilisait ça sans roulette. Très très lourd, très encombrant. Donc le plucking foam, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez vous-même découper vos petits compartiments juste en pinçant et en tirant sur ces choses-là. Pour que ce soit plus pratique et plus compartimenté, moi j'ai préféré équiper la 1510 d'un ce qu'on appelle un insert. Alors encore une fois, un insert vendu chez Pelican, ça va vous coûter 120 €, quelque chose comme ça. Donc c'est de la mousse, hein. Si vous avez déjà eu un sac photo, vous savez un petit peu comment ça marche avec des velcro pour créer des compartiments. J'ai trouvé le site d'une entreprise basée à Hong Kong qui s'appelle amod.com. Et qui fait des inserts pour différents types de tailles de valises Pelican. Et donc il fait un insert pour la 1510 qui, mon imitation est tellement parfaite que l'insert rentre pile poil, c'est pile les bonnes dimensions. Et il fait aussi ce qu'on appelle des lead organizers, donc des organisateurs de couvercle. Ce qui fait qu'à la place de la mousse du couvercle, on va pouvoir visser un petit organisateur qui va nous permettre de gérer les câbles, les batteries, etc. etc. Donc si je vous montre très rapidement comment c'est organisé, c'est assez simple. Sur la partie gauche ici, il va y avoir tout ce qui est chargement. Donc là, j'ai une multiprise universelle. Là, j'ai de quoi charger des batteries portables. Là, j'ai de quoi charger les grosses batteries Sony qui me permettent de durer une demi-journée plutôt. Donc j'en ai deux pour la journée. Il faut que je les recharge le soir. Ici, je vais avoir ce qu'on appelle la cage. Donc, je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, mais le principe c'est que on va mettre son appareil photo là-dedans, ce qui va nous permettre d'attacher tout un tas d'accessoires autour. Ici, il va y avoir tout ce qui est gestion de l'image et du son. Donc là, j'ai un écran que je vous montrerai tout à l'heure aussi. Là, j'ai un zoom H4N. Ici, j'ai une lumière LED portable, rechargeable via USB-C. Et bien sûr, pour monitorer l'audio, un casque entrée de gamme Sony, mais qui est très très solide en fait, et ce qui est bien utile parce que on maltraite beaucoup de matériel dans ce type de situation. Sur cette partie là que je cache avec des petits velcro, il y a des petites antennes qui dépassent et on a tendance à fermer les couvercles en maltraitant les antennes. En tout cas, c'est la douane de l'Eurostar fait beaucoup ça, ils aiment bien. Et donc ça va être mes émetteurs et mes transmetteurs audio que je vais mettre sur les gens que j'interview. Ah oui, et j'oubliais ici, on a un drone qui est un Mavic Mini. Je fais quelques images au drone, j'ai pas besoin de faire des choses très très intenses, très compliquées, des plans très époustouflants. Sur Hyperlien, c'est beaucoup sur mes titrailles que je vais utiliser le drone. Ici, le numérique est synonyme de vie locale. Mais comme nous allons le voir, il n'est qu'une brique dans un projet plus global de revalorisation du territoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hyperlien, l'autre visage de la France numérique. Donc un Mavic Mini qui pèse moins de 250 grammes, qui n'a besoin de pratiquement aucune autorisation pour être piloté, etc. Ça me va particulièrement bien. Ensuite au niveau du couvercle, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, un disque dur de secours, un micro de secours, des extensions de jack de secours, des cartes SD. Ici on va avoir un rocket blower pour dépoussiérer les optiques, on va avoir les piles rechargeables. Là, je vais avoir tout ce qui est visserie pour la cage, justement, pour coller des accessoires. Là, j'ai des 3M de rechange pour coller la GoPro, parce qu'il y a beaucoup de plans d'interview en voiture. Et donc, j'utilise la GoPro que je colle sur le tableau de bord pour ça. C'est
Là, on fait quoi? Tu veux qu'on passe comment? On monte tous les deux à l'arrière? Là, il va y avoir tout ce qui est câble USB de secours et aussi prise secteur. Et là, on a tous les câbles qui vont venir m'aider à monter mon setup sur la cage. Donc des mini HDMI, des choses comme ça. Voilà pour le Pélican, le faux Pélican. Je passe très rapidement sur le Wonder, le Provoke de Wonder, parce que vous le connaissez déjà bien. Pourquoi le Provoke de Wonder? Il y a une raison principale qui est qu'il fait parfaitement la bonne taille pour un tournage de 3-4 jours. Il a un compartiment pour l'ordinateur qui est bien protégé. On peut compartimenter d'un côté les habits et de l'autre du matériel supplémentaire. Il a une poche pour le trépied qui peut prendre des gros trépieds. Et puis surtout, il a un look qui fait un petit peu sobre et professionnel. Et un des avantages du Provoke, c'est qu'il a une ouverture un petit peu en évasée. Est-ce que je vais y arriver d'une main? Oui. Cette ouverture roll top un petit peu évasée, donc qui est très large par en haut, va me permettre en fait de faire rentrer le field bag à l'intérieur quand je ne m'en sers pas. Ce qui me permet d'avoir juste mon sac à dos et ma valise, et pas mon sac à dos, ma valise et en plus un sling en bandoulière. Justement, ce field bag, je vais vous expliquer pourquoi il est si important dans cette organisation. Le field bag de Topo Design, à la base, il est fait pour... il a été conçu pour la pêche à la mouche. En tout cas, c'est les photos d'exemple qu'il y a sur le site internet. Et donc, c'est un sac en bandoulière. Donc là, elle est très serrée, mais on peut bien sûr la desserrer. Et qui va avoir aussi une ceinture qui va permettre en fait d'avoir le sac très près du corps et surtout qui ne va pas bouger du tout. Comme je vous ai expliqué, le principe des documentaires Run and Gun, c'est vraiment de beaucoup se déplacer dans la journée et donc on ne peut pas toujours trimballer cette valise avec nous. Au contraire, la valise, on va plutôt la mettre là où on dort ou dans une sorte de QG où on sait qu'on va revenir plus tard dans la journée, ce qui va nous permettre de laisser les appareils en charge ou de vider les cartes SD. J'ai donc besoin d'avoir un petit sac pas trop encombrant dans lequel je vais pouvoir mettre la caméra, un deuxième objectif, la GoPro, les micros, parce que quand je les enlève à quelqu'un, il faut que je les remette à quelqu'un d'autre après, mais entre temps, il faut que je les range quelque part. Et en plus, dessous, ce que je vais faire très souvent, ici, là, c'est que je vais attacher le trépied ou alors le convertir en monopode et d'attacher le monopode ici. Ce qui permet en fait toute la journée d'avoir l'essentiel du matériel à portée de main. Donc généralement, comme je vous le disais, je vais avoir un deuxième objectif, un 50 mm. Je vais avoir la GoPro, je vais avoir des batteries de secours, je vais avoir mes micro-cravates avec leurs récepteurs qui vont être ici. Souvent, ce que je fais, c'est que le field bag est attaché dans mon dos derrière moi. Et pendant que je vais filmer des plans de coupe ou mettre en place le trépied pour une interview, je vais dire à Samuel de prendre le micro derrière moi et de l'installer sur le talon qu'on interview. Et du coup, il est autonome, il cherche comme dans ma petite poche de kangourou derrière moi. Les gens aiment bien notre petite complicité comme ça. On vient d'arriver à l'espace Walid. Walid? Des Walid? Putain, mon gars. Voilà, maintenant, je vous propose de vous montrer le setup de caméra, donc ce que je me trimballe à la main toute la journée pour être paré à toutes les éventualités. Je vais mettre la GoPro ici et je vais le faire en timelapse. Voilà donc à quoi ressemble le setup en entier. Je vais le surélever un petit peu. Donc là, j'ai installé la totale, mais en règle générale, je ne mets pas forcément la lumière, je m'en sers très peu. Je filme beaucoup à la lumière naturelle
Ici, on a le récepteur des micros sans fil. Ici, j'ai mon H4N pour switcher rapidement quand on est pas en quand on interviewe quelqu'un à la volée, par exemple, un passant. Donc, je switch en fait tout simplement les jacks dans l'appareil. Donc, l'écran ici, qui est un écran 4K, qui me permet donc de gérer mes prises de vue. J'ai ma lumière ici, mais que si je l'utilise généralement, je la monte plutôt sur un côté excentré quand on est en mode interview. Et donc là, j'ai une grosse poignée. J'ai la poignée de l'appareil de ce côté-là. Et je me trimballe avec ça toute la journée. Tu viens de jumper devant, devant l'objectif, quoi. Voilà, c'est terminé. Je sais que vous préférez les sacs à dos, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant puisque vous êtes peut-être un petit peu curieux de comment ça s'organise derrière l'écran, puisque je me sers aussi d'une partie de ce matériel pour réaliser les vidéos qu'il y a sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir le site lasociétenouvelle.com, regarder la première saison d'Hyperlien, et puis n'hésitez pas aussi à aller écouter l'audio trip qui est publié sur la chaîne. Je vous ai mis des liens partout. Je vous souhaite un bon déconfinement puisqu'on est bientôt le 11 mai. Je vous dis à très bientôt pour un test de sac.